c'est lui le malade, il est là, on sait pas qui c'est, il débarque dans le studio et il chante notre générique comme si c'était le petit ciné à son père. Mais t'étais pas obligé de lui tirer dessus. Oh, vaut mieux prévenir que guérir, hein. Je suis sûr que c'est le genre de mec à te pousser sur les rails du RER sans crier gare. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? Bah, fous-le dehors là, et y a bien un gitan qui va passer dans la rue et qui va le revendre en pièces détachées. Ouh, Polo, ça serait pas un peu raciste ce que tu viens de dire là? Quoi? Ça là? Ouais. Non! Ah, non! Tout de suite, les grands mots là! C'est pas du racisme, c'est un fait! C'est Éric Zemmour qui me l'a dit! Ouh, toi, tu files un mauvais coton, hein! Tu dis ça parce que je suis noir! C'est toi le raciste d'abord! Bah, de toute façon, si Zemmour il a pas été viré du Figaro, je risque pas d'être viré d'énergie, hein! Bon, passons à autre chose. De quoi on va parler aujourd'hui dans le petit ciné? Eh bien, on va parler du Choc des Titans! C'est le dernier film du réalisateur français Louis Leterrier. Ah ouais, et il n'y a pas l'ancien prof de théâtre de la Starac qui joue dedans, Philippe Lelièvre? Très drôle. Non, par contre, dans le Choc des Titans, il y a le chroniqueur du grand journal de Canal+, Mouloud Achour. Très drôle. Bon, et sinon, il y a qui pour de vrai dans le film? Bah c'est sérieux, c'est pas une connerie. Il y a Mouloud qui joue dedans. Mais attends, il joue le rôle d'un monstre, c'est ça? Un suppôt d'Hadès? Non. Il joue un suppôt zitois. Il est tout le temps en train de coller au cul du héros. En plus, ça lui va bien parce que son nom dans le film, c'est Cucu. Quoi? Oh la honte! C'est quoi ce nom pourri? Ouais, mais lui au moins il joue dans un film américain. Ouais, bah moi si je joue dans un film carry, c'est pour m'appeler Michael ou Jason ou Brian. Pas Cucuc, c'est ridicule. Et tu l'as vu toi Mouloud dans la bande-annonce? Parce que je l'ai regardé 10 fois et j'ai rien vu. Pourtant Mouloud en général il est visible, hein? Si tu vois ce que je veux dire. Bah si tu regardes bien, à un moment donné, à 1:07 de la bande-annonce, ouais. Faut faire gaffe hein, parce que c'est très 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 rapide. Mm-hmm. Quand Percé il est en train de se battre, tu vois au loin une espèce d'arbre, tout petit, mais tout petit. Mm-hmm. Juste derrière, on dirait une branche cassée qui dépasse. Ouais, je vois. Et bah non, en fait c'est une jambe de Mouloud qui est en train de chier tellement il a peur. Ah ouais, d'accord, ok. Mais il faut regarder la bande-annonce avec des lunettes 3D, hein, sinon tu vois rien. Bon. Et l'histoire du film, en fait, c'est quoi? Tu veux un résumé? Ouais. Bah, c'est les gentils contre les méchants. Tu peux juste étoffer un petit peu, s'il te plaît, parce que là, je... Eh ben, attends, je vais prendre tes mesures. T'es plutôt cuir ou coton? Samuel, apporte-moi la plus belle étoffe du magasin, la plus chère. Bon, Polo, tu joues à quoi, là? Raconte-nous l'histoire du film, c'est tout? Donc, si j'ai bien compris, c'est Percé qui se bat contre Hadès, c'est ça? C'est quoi l'embrouille, au juste? Bah... T'as vu le délire, c'est Hadès. Ouais. Et il a repêché la meuf de Percé. Ouais, tu vois, il l'a ramené chez lui, au fond de sa cave. Tu vois, c'est l'enfer quoi. Tu vois. Et à un moment donné, il y a Percé, Hadès, hein, bâtard là. Il voit ta mère, elle suce des bites en enfer. Culé. Oh putain, comment il s'est vénère le cum. Il a pris son épée, il l'a percé. C'est pour ça maintenant que son blaze s'est percé. Alors, avant il s'appelait Anthony Miskin, tu vois. Bâtard. Bah ouais. En plus il a eu raison, c'est haram de parler sur les parents comme ça, tu vois. Et surtout sur la mère, tu vois, ça se respecte. Respect la mère. Respect sa mère, elle l'a donné sa mère. Elle la respect, elle lui a donné à manger sa mère, là. Respect. En plus c'est vrai, tu vois sa rhum là, c'est pas une teupu, tu vois. Elle fait des ménages chez Zeus, t'as vu, tranquille, elle nettoie les éclairs et tout le merdier là. Et lui aussi, Zeus c'est un déglingo. Tu vois, le mec c'est le parrain dans la cité. C'est le parrain à Olympe, la cité elle s'appelle la cité Olympe là. À un moment donné, les titans, ils arrivent. Bon en vrai c'est des gitans, mais comme ils ont eu des blèmes avec SOS Racine, ils ont été obligés de les appeler les titans, les tanges, tu vois. Et donc, ils sont là, ils arrivent dans un chartuné GTI avec les jantes, ils avaient chouré au gros Zoubir là, le bâtard de Zoubir là de la TC à côté là, cagoulé et tout, tu vois les mecs, ils arrivent les tanges, calibrés avec tout le possi, et là t'as Zeus, Saras, il est caillasse comme si c'était des keufs, tu vois. T'aurais vu comment il jette ses rochers, depuis en haut de sa tour, là, à Olympe, là, sa montagne, là, t'as vu? Enfin, t'as vu? T'as vu? Enfin, je sais pas si t'as vu, mais t'aurais vu si t'avais vu. Putain, franchement, on aurait dit vieille belle, mais t'as vu avec moins d'effets spéciaux, t'as vu. Par exemple, dans un film, y a pas de voiture qui crame, toi. Ah bon? Mais pourquoi? Bah, à l'époque, il y avait pas de voiture, t'as vu? Mais en gros, pour résumer, c'est un film, t'as à la cité, quoi. Bon, bah, je crois que là, on a donné assez aux gens pour leur mettre l'eau à la bouche, hein. Pour qu'ils puissent se faire leur propre idée et qu'ils choisissent en leur âme et conscience s'ils vont aller le voir. Ou pas. Et c'est donc sur cette porte ouverte à votre propre décision que nous vous laissons le choix de ne pas aller voir ce film. Voilà. Merci, au revoir. Et à la semaine prochaine pour un nouveau petit ciné des Mexicains. Oh, qu'est-ce que c'est encore là? Attends, bouge pas, Polo, je vais voir.
Emma, voir comment est ma star, celui-là. Élevé la boxe. Polo, c'est pour toi. Je crois que c'est un gitan. Une réclamation, apparemment. Arrête ta connerie.